Il y a de nombreux chantiers sur notre territoire qui sont une opportunité d'emploi pour nos habitants. Afin qu'ils en profitent, Est Ensemble pilote le dispositif Clause Sociale. Ce dispositif permet de réserver une partie des heures de travail générées sur ces chantiers au public éloigné de l'emploi et ainsi de les engager dans un parcours d'insertion professionnelle. Vous recherchez un emploi ? Vous êtes peu ou pas diplômé mais très motivé ? Vous résidez dans l'une des 9 communes du territoire d'Est Ensemble ? Alors lancez-vous dans l'emploi grâce aux clauses sociales. La démolition, le réembayage et la sécurité du chantier. Ma mission est de m'occuper principalement de tout ce qui est dépenses sur le chantier. L'autre partie, c'est toute la partie administrative. Auparavant, j'étais responsable pédagogique dans un lycée. Rien à voir avec le poste que j'occupe actuellement. Donc du coup, je suis repassé par une agence intérim qui travaille avec Est Ensemble. Donc j'ai eu un premier poste et ensuite j'ai atterri chez Capucci. Grâce à ce dispositif, Josué et Gildas ont trouvé leur voie et ont bénéficié d'un parcours de formation. Oui, mais pendant ce chantier, j'ai eu à faire 2-3 formations. Donc une première formation de SharePoint, en plus une formation en Microsoft Project et une formation qui est prévue aussi en Excel, mais à un niveau un peu plus supérieur. J'ai suivi des formations pour occuper ce poste. Et cette formation, c'est le CACES, pour conducteur d'engin de chantier. Une fois ce chantier terminé, je serai sur un autre chantier, vu que je suis en CDI chez Capucci. C'est de continuer à travailler dans le BTP, parce que j'ai appris énormément. Voilà, et j'appelle les jeunes à nous rejoindre. Les jeunes, rejoignez-nous, hein. Nous sommes là, on vous attend. En 2020, ce sont plus de 350 habitants du territoire qui ont été employés dans le cadre des clauses sociales. En 2021, de nouvelles offres sont à pourvoir dans le BTP, grâce notamment aux 12 programmes de renouvellement urbain. Ces emplois seront alors réservés en priorité aux habitants de ces quartiers.